C'est moi, le gros minou, moi qui vais faire la vidéo aujourd'hui. Bienvenue dans le Kitschart du mois de juillet, première semaine. Bienvenue tout le monde dans ce nouveau Kitschart sponsorisé par l'équipe des chemises moches. Vous avez voté toute cette semaine, j'ai calculé vos petits votes et du coup voici le classement de la semaine, voici le top 20. Qui avez-vous élu numéro 1? On va voir ça tout de suite. 아까 제가 조금 살 쪘다는 얘기를 해가지고 그런데 뭐가 살
c'est Nayeon avec Pop qui gagne la première place. C'est une nouveauté, c'est la meilleure progression de la semaine. C'est le titre que vous avez préféré cette semaine, à qui vous offrez numéro 1, première semaine, nouvel artiste, si on peut dire ça comme ça, c'est un début. Et directement numéro 1. Bravo! En seconde position, c'est TXT qui s'est super bien maintenu pendant 8 semaines, je trouve. Donc félicitations aux garçons. Et en troisième, encore une nouveauté, Aespa avec Life's Too Short. Bon, alors cette semaine, on a eu pas mal de nouveautés. Je vais prendre ma petite liste parce que j'ai pas tout retenu. Mais je sais qu'il y a Card en 6ème position. Donc c'est déjà pas mal pour un groupe dont je trouve on parle pas tant que ça. Donc ça prouve qu'il y a quand même des gens qui soutiennent le groupe, même s'ils sont un peu, on va dire, silencieux. Calme, c'est peut-être mieux. Voilà. En 20ème position, on a Pixie Villain, une chanson que j'ai bien aimée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo réaction, allez-y, allez la voir. Mais j'ai trouvé que c'était assez cool, donc je suis contente pour elle. On a aussi B.I. avec BTBD qui arrive en 18ème position. On a Lapius avec Itia en 17ème. Bref, il y a du monde au balcon. Il y a beaucoup de gens. Et je trouve que c'est pas mal parce que j'aime bien quand le K-chart bouge comme ça. Et j'espère que la semaine prochaine, ce sera pareil. Parce que j'adore que c'est comme ça, quand ça bouge. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal de chansons super cool, pas mal de trucs pour lesquels voter. Du coup, chaque K-chart, c'est vraiment un plaisir. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce de petite battle qui se fait entre plusieurs titres. Et de voir qui monte, qui descend, je trouve que c'est assez... je sais pas, en ce moment, c'est plus cool que d'habitude, on va dire. Genre, il y a plus d'activité, il y a plus de dynamisme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, sans plus attendre, on va parler des chansons qui vont nous quitter cette semaine parce que malheureusement, elles sont arrivées à leur 8ème semaine, ce qui veut dire que il faut partir à un moment donné. Mais d'autres chansons vont nous rejoindre. Donc voici les chansons qui nous quittent avec leur meilleur classement et les chansons qui nous rejoignent pour qui vous allez pouvoir voter dès ce soir. Sinon quand même là dans ceux qui sont rentrés, on va voir s'ils vont réussir à se faire une place. J'ai quand même hâte de voir où certains titres vont arriver la semaine prochaine, à quelle place ils vont débarquer.
Mais pour ça, c'est vous qui devez voter grâce au lien qui est en description de la vidéo. Et si vous trouvez que des chansons manquent à l'appel, proposez-le-moi sous mon commentaire épinglé. Comme ça, je le rajoute la semaine prochaine. Je fais de mon mieux pour ajouter un maximum de chansons que vous aimez. Comme ça, vous pouvez voter pour elles. Merci d'avance. Et oui, je sais, ça passe trop vite, mais ça veut dire que le K-Chart est d'ores et déjà terminé. On a parlé du top 20, on a vu les nouvelles sorties, mais aussi les nouvelles entrées. Donc, bah, ça veut dire que c'est la fin. Si vous aimez le K-Chart et que vous voulez soutenir ce type de vidéo, c'est très simple. Vous pouvez le partager, ça, c'est le mieux du mieux, c'est super cool. Vous pouvez liker, ça aussi, c'est déjà pas mal. Ou juste faire un petit commentaire sur vos chansons préférées, voilà, juste écrire un petit mot. Bah, ça aide aussi, parce que bah, plus il y a de commentaires sous une vidéo, comme vous le savez, et plus YouTube va avoir envie de la mettre en avant. Et si t'aimes bien ce que tu as vu et que t'es pas encore abonné, eh bien pense peut-être à le faire parce que c'est gratuit et ça aide la K-pop en France à se faire connaître de plus en plus, car plus les créateurs de contenu francophones seront connus et plus gros, et plus ça aidera au rayonnement de la K-pop en francophonie. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros 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 bisous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye 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 bye. Allez.